Salut à tous, épisode 15 de la série vidéo musico-culturelle et je vais faire un aveu, je ne suis pas super fan des albums dits tribute ou hommage. Je trouve que c'est souvent le cas pour des artistes sur le retour de se faire un petit peu de pub gratuitement si son artiste dans le cadavre est encore chaud. Donc c'est pour ça que je ne suis pas super fan des albums tribute. Il y a un contre-exemple, c'est l'album hommage sorti pour Ronnie James Dio 4 ans après sa mort. On n'est pas vraiment dans le nécrocommerce où le cadavre est encore chaud, loin de là. C'est l'album hommage This Is Your Life. Alors là, déjà sur la pochette, on peut voir qu'il y a Feu, les Mickey Mister. Alors je vois. On voit Mr. James Enfield de Metallica. Je crois que c'est la chanteuse Dale Storm qui est armée de la batte à clous. Derrière, il doit y avoir le chanteur d'Anthrax, je suppose. Si on retourne. Donc on voit Doro armé avec une espèce de griffe. On voit bien sûr armé d'une machette, on voit Klaus Meine de Scorpion. On doit avoir aussi Tenacious D derrière. Bref, il y a pas mal de personnes. On pourrait passer peut-être 1 heure ou 2. Ah non, attends pour moi. Je crois que je viens de voir le chanteur d'Anthrax qui se trouve avec la tronçonneuse à tête de mort. Je n'avais pas vu sa barbichette. Voilà, donc là vous voyez, il y a quand même pas mal de peuple. Et bien sûr, le coffret est magnifique. Là, c'est déjà l'hommage à Dio. Voilà. Et si on ouvre, c'est carrément. Ah, par là. Je mets dans le bon sens là. Voilà. Vous voyez quand même, c'est pas le petit album hommage. Donc, côté musical, c'est excellent, mais il y a deux points faibles. Deux énormes points faibles. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes. Il y a Anthrax, Tenacious D, Adrenaline Mob, Alstorm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Scorpions qui reprennent Temple of the King. Star Trek qui est repris par les Mickey Mister, par le groupe par Motorhead, mais malheureusement, c'est pas les Mickey qui chantent. Oh, c'était pas juste. Non, il y a de très bonnes reprises, mais par contre, il y en a deux dont je me serais très bien passé. La première, c'est la 10e piste. Et je dois dire que j'ai horreur de la voix du Glenn Hughes vieillissant. Déjà qu'à l'époque de Purple Mark 3 et 4, on avait l'impression que quand il poussait dans les aigus, il avait une crise d'hémorroïde profonde. Désolé, c'est pas très gentil. Mais là, on a l'impression d'entendre un canard chanter. Parce que ça donne. Là, on a les envies de meurtre. Et deuxième, là, je sens que ça va valoir une volée de pouces vers le bas, c'est le medley de Metallica. Je n'aime pas Metallica! Même s'ils reprennent de très bons titres, s'ils reprennent Night in the Black, Tarot Woman, Stargazer, Kill the King, je n'aime pas Metallica. Non, mais sinon, mis à part ces deux points faibles, si vous aimez Dio, c'est l'album qu'il vous faut pour avoir un bon album tribute, un bon album hommage. On est loin des merdes actuelles, style Depardieu, chante Barbara et compagnie. Là, on a appelé Glande. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et moi, je me remets sur ma platine. Bye!